Voyageurs et voyageuses, bienvenue dans votre live. Aujourd'hui, nous serons donc aux couleurs du Dendro. Je vais lire les répliques de Naïda. Je vais invoquer Aletheim. Je sais pas si j'ai bien dit le nom. Et pour ce qui est après donc du livre, la seule chose qui ne sera pas verte aujourd'hui, ça sera donc le roi des invocations. Alors Luma, oui, enfin, c'est surtout le matin qu'on la voit. Ou quand on est dans le jardin. Ah, d'accord. Bah, quand il fait bon, en fait, elle revient. nos petits chats. Alors, du coup, on va commencer. Ah oui, c'était pas mal la prononciation. Ah, super. Merci, Luma. Je me suis entraînée. Alors, je vais donc commencer la lecture d'abord des répliques de Naïta. Ensuite, on va invoquer Aletheim. Et après, ben, je lirai le roi des invocations. Alors j'ai décidé de lire plutôt ce livre au lieu de la suite de la semaine dernière, parce que justement le bouquin de la semaine dernière, il était très condensé. Il y avait beaucoup de choses. Et étant donné que je vais invoquer aujourd'hui, je me suis dit, il vaut mieux un livre pas trop long, que je puisse lire vite. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc, on a Naïda qui nous attendait ici. Alors, du coup. Alors, d'ailleurs, juste après Naïda, dans le sondage, à une voix près, c'était la Shogun qui aurait pu passer. Donc, c'était que des archons qui avaient en tête. Alors, on va commencer donc la lecture de ces répliques. Première rencontre. Enchantée de faire ta connaissance. Je t'observe depuis un moment déjà. Moi, c'est Naïda. J'ai peut-être l'air d'une enfant, mais détrompe-toi. Je connais ce monde mieux que n'importe quel adulte. Est-ce qu'on pourrait échanger des connaissances? J'aimerais entendre tes histoires de voyage. Et toi, que voudrais-tu savoir? Bavardage, invitation. Si tu ne sais pas quoi faire, pourquoi ne pas faire un tour avec moi? Bavardage, inquiétude. Quelque chose te turlupine? Dis-moi tout, on peut y réfléchir ensemble. Sentiment. En effet, il faut voir le monde de ses propres yeux pour en apprécier la beauté. C'est beau. Quand il pleut, dépêchons-nous de nous abriter de la pluie. Où des champignons pousseront sur nos têtes. Ah, j'ai pas envie d'avoir des champignons. Quand le tonnerre gronde, tu savais que le tonnerre était le prélude d'une nouvelle vie? Ces terres seront bientôt pleines de vie. C'est une bonne façon de voir les choses. Quand il neige, tu as entendu le ciel murmure à toutes les formes de vie qu'il est l'heure de dormir. Il fait bon dehors. Il fait vraiment bon. Les choses redeviendront bientôt vivantes. Quand le vent souffle, le vent ne souffle jamais dans le sanctuaire de Surastana. Ah, désolé, c'est probablement évident pour toi. Ok. Ouais, j'ai pas compris. Ça doit être en rapport à une quête, peut-être, que j'ai oubliée. Au réveil. Bonjour, mettons-nous en route tout de suite. Il y a trop de choses que nous pouvons rater si nous n'arrivons pas à temps. À l'heure du déjeuner, c'est l'heure de la pause. J'aimerais bien une boisson au baies et à la menthe. Si tu vas m'en chercher une, je te raconterai quelques histoires sur le soleil en échange. Ça te va? Le soir, le soleil se couche. C'est le moment de dire au revoir à tout le monde et de laisser place à la nuit. La nuit. Va dormir, ne t'en fais pas. J'ai fait en sorte qu'un beau rêve t'attende. C'est merveilleux. Faut juste que je m'en souvienne. À propos de Naïda, connaissance. Ah, la mer cendrée, c'est un endroit complètement désert, tout vide, comme le cerveau d'un porc-pignon. Comment je le sais? C'est vrai. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Il s'agit d'un endroit hors de ma portée. Ah ah! Donc elle l'a vu.
grâce aux animaux sûrement. Naïda, obsession. Obsession, je ne savais pas qu'on pouvait mettre les deux choses ensemble. Les dieux ont accordé assez de savoir aux humains pour se nourrir, mais ils l'ont utilisé pour fabriquer des outils, écrire des livres et construire des villes. Maintenant, ils visent les étoiles et l'abîme. Au fil du temps, ils arrivent toujours à créer de nouvelles connaissances. Je les trouve vraiment fascinants. Ah, d'accord, oui, ça passe, ce genre d'obsession. À propos de nous, histoire. Toutes les choses que tu as vécues au cours de ton voyage sont beaucoup plus extraordinaires que tout ce que j'ai pu apprendre. Et je peux t'interroger dessus dans les moindres détails maintenant. Je ne pouvais pas rêver mieux. Bref, ne gaspillons pas une seule minute. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Tu vas pas commencer à oublier des choses aussi. Il y a déjà moi. Hein. À propos de nous, voyage. Prêter mon oreille aux autres n'a jamais été suffisant pour moi. J'ai toujours voulu sortir et voir le monde de mes propres yeux. Toi, qui es une aventurière expérimentée, pourrais-tu être ma guide? Je veux être aux premières loges de toutes les prochaines péripéties. À propos de l'œil divin, les cieux ont créé des yeux pour admirer la beauté du monde, mais les mortels ont déjà les leurs. Dans ce cas, que verraient-ils s'ils observaient le monde avec leur œil divin au lieu de leurs yeux? Toi, qui es perspicace, connais-tu la réponse? J'ai jamais vu de personnage voir cette vision-là des œils divins. Quelque chose à partager. Souvent, ce n'est que lorsqu'on se retrouve au pied du mur qu'on doit affronter notre propre fainéantise, ignorance, imprudence ou arrogance. Il n'y a rien à regretter. Nous n'avons aucun moyen de savoir de quoi demain sera fait. Alors, nous y allons à tâtons pour enrichir nos connaissances. La douleur qu'on ressent dans ces moments est le prix à payer pour la leçon. J'aime bien ce passage. Une bonne leçon de vie. Voilà. Détail intéressant, une fleur n'ayant pas encore fleuri. Le désert de Sumeru est abandonné par rapport à la forêt tropicale, mais il a été le lieu de vie d'une ancienne civilisation et possède son propre écosystème. Un jour, lorsqu'il se réconciliera avec la forêt, je suis certaine que des fleurs que je n'aurais jamais vues s'y épanouiront. À propos de Sinnoh, blague. Ces blagues sont des pépites cachées. Je les trouve très drôles. Il y a une partie que tu n'as pas comprise? Pas de problème, je vais tout t'expliquer. Donc elle connaît bien l'humour de Sinnoh et elle aime bien. C'est bien ça. À propos de Sinnoh, métier. Rares sont les généraux Mahamatra qui auraient été capables de trancher dans un conflit entre ordre et justice. Le compromis ne mène qu'à une impasse, et il a l'air de très bien le savoir. C'est une chance pour tout Sumeru que de le voir reprendre la place qui lui est revient. À propos de Tignari, les brigadiers forestiers ont joué un rôle crucial pour que la forêt tropicale puisse survivre à la Sissite et continuer à prospérer. Tignari est le plus chevronné d'entre eux, mais j'espère qu'il deviendra plus sympathique avec les autres, ou ce sera difficile pour lui d'attirer de nouvelles recrues compétentes dans ses équipes. À propos de Kolei, quand j'ai entendu son histoire pour la première fois, sa résilience m'a frappé comme l'éclat singulier d'une pierre précieuse. Elle a traversé tant d'épreuves. J'espère qu'avec sa verdure, Sumeru sera un endroit où elle pourra se sentir protégée pour grandir en bonne santé. Ah bah tiens. À propos d'Aletheim, le niveau de connaissance qu'il détient va au-delà de ce que quiconque pourrait imaginer.
Il est constamment en train de réfléchir. Alors rien ne peut lui échapper. Ceci dit, les gens aussi intelligents que lui ont-ils le droit de considérer la banalité des gens ordinaires comme un défaut inné? Cela fait aussi partie de nous-mêmes et il n'est pas possible de s'en débarrasser. À propos de Nilou, un jour, j'ai emprunté le corps de quelqu'un pour lui demander si cela ne la dérangeait pas que la Rani Kusanali la regarde danser. À vrai dire, je l'ai déjà vue plusieurs fois en secret, mais j'aurais voulu voir son spectacle en personne lors du festival Sabzeruse. Enfin, de toute façon, elle a gentiment refusé ma proposition. J'étais un peu triste. Ah, d'accord. Ah. La Nilou, elle aime pas. C'est rigolo. À propos de Dory, la première chose qu'elle m'a dite en me voyant pour la première fois était « Charmant palais, combien vous le vendez ?» Évidemment, je ne pouvais pas lui vendre le sanctuaire de Surasthana. Mais sa question m'a posé une colle. J'y ai réfléchi en long, en large et en travers. Mais je ne suis pas arrivée à déterminer sa valeur en mora. À propos de Kaveh, il comprend très bien comment la sagesse est appliquée à Sumeru. Mais malheureusement, la vérité telle qu'il la voit ne fera jamais l'unanimité à l'échelle de la nation. Oh, c'est le colocataire d'Alétam? Ce monde est décidément plein de surprises. À propos de Farouzan, elle souffre de l'exposition au pouvoir des ruines du roi Desré, comme si une tortue géante l'avait fait tomber de son dos, oublier sans se retourner. Si cela l'intéresse, tu peux voir la Sumeru d'antan à travers ses yeux. À propos des sept introductions, je crois que les sept archons étaient régulièrement en contact les uns avec les autres. Il y a très longtemps. En revanche, je suis un cas spécial. Alors que je n'ai pas trop de souvenirs de cette époque, maintenant que la situation s'est stabilisée à Sumeru, il est temps pour moi de les contacter à nouveau. Tu en connais quelques-uns, pas vrai? Ça te dérangerait de me les présenter? À propos des sept jeux, j'ai entendu dire que jouer à des jeux permettait de rapprocher les gens. Je suis sûre que ça marcherait aussi pour les dieux. Et si on jouait à la marelle ensemble, quand on se verra? Tout compte fait, ce n'est pas le plus idéal. On pourrait croire que j'ai fait exprès de dessiner des petites cases pour gagner plus facilement. Ce ne serait pas juste pour les autres. À propos de Scaramuccia, je me demande s'il a éprouvé ne serait-ce que de la joie quand il a enfin accompli ce qu'il croyait vouloir ou s'il s'est senti encore plus vide. C'est précisément notre incapacité à voler qui fait que nos yeux restent rivés sur le ciel. Il devrait y réfléchir maintenant qu'il a goûté du néant qui règne là-haut. Alors Luma, ah c'est vrai que ses répliques changent si on finit la quête d'Archon. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Alors. Oui. J'avais remarqué aussi qu'il y avait des répliques qui s'ajoutaient aussi. Bon, après, je pense que c'est normal. Avec le temps, on a plus de contenu, donc plus de répliques. Alors, connaître Naïda, numéro 1. Mon passé est monotone. Je pourrais t'en parler, mais tu bâillerais comme un poisson globe qui aspire de l'eau. Mais la curiosité est quelque chose de précieux. Je ne veux pas que la tienne ne soit pas satisfaite. Je sais, je vais te raconter des rêves que j'ai faits. Et chez Yanni, ah oui, comme Ruka Devata a été effacée. Oui, voilà. Connaître Naïda 2. Un pot à fleurs apparaît toujours dans mes rêves. Je l'arrose et j'y mets de l'engrais et à chaque fois, ce sont les mêmes fleurs qui poussent. Est-il possible d'apprécier la culture de plantes quand on connaît le résultat à l'avance? Hé hé, au moins je suis contente qu'elle ait fleuri.
Elle attire différentes sortes de papillons et même une ou deux abeilles parfois. Ah, des abeilles, ça, on ne les a pas encore vues dans le jeu. Connaître Naïda 3. Un sablier apparaît toujours dans mes rêves. J'aime y ajouter quelques gouttes d'eau avant de le retourner pour observer combien de temps il faut pour que toutes les gra... pour que tous les grains de sable tombent et voient si c'est différent de la dernière fois. Cette action n'a ni queue ni tête, mais cela m'aide à éliminer la fatigue mentale que j'ai accumulée. Elle ne m'apporte rien et c'est justement ce qui rend la chose amusante. Numéro 4. Un vide apparaît toujours dans mes rêves. Peu importe les paysages qui changent autour de lui, ce vide occupe la majeure partie de l'espace. Étrange, pas vrai? Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai jamais trouvé quoi en dépit du pouvoir que j'ai sur les rêves. On dirait qu'il y a des choses hors de mon contrôle, même dans mes propres rêves. Ah ah! Et nous, on sait c'est quoi. Naïda, connaître Naïda numéro 5. Dans mes rêves, on trouve de tout sauf des gens. Néanmoins, depuis notre rencontre, ils sont beaucoup plus animés. Tu es comme une sorte de guide qui ajoute une touche humaine à mes songes pour me sortir de ma cage. Hé, allez, mon aventure ne fait que commencer et j'aimerais continuer à te suivre. Les loisirs de Naïda. Est-ce que t'observer compte comme un loisir? Parce que le moindre de tes faits et gestes me fascine. Tu voyages à travers le monde, d'où viens-tu? Où irais-tu? Qui rencontreras-tu sur ton chemin? Quels sont les obstacles que tu surmonteras? J'ai envie de découvrir les réponses à toutes ces questions. Ne te soucie donc pas trop de moi, je souhaite seulement t'observer encore pendant très longtemps. Ça devient là une obsession, hein? Les problèmes de Naïda. J'ai le don de poser les bonnes questions et de donner les bonnes réponses. Mais je me suis rendu compte que les gens font semblant de ne pas comprendre. Il est inutile de répondre à leurs questions, car cela ne les aide pas. Plus ils vieillissent et moins ils ont le courage de mettre les choses en question et d'accepter la vérité. Donc, plus on vieillit et plus on devient con. Ou têtu. Les deux fonctionnent. Plat préféré. Le nougat d'Agilénac, évidemment. Une bouchée et mon cerveau se met à fonctionner à toute allure et aucun obstacle ne peut m'arrêter. Ceci dit, un conseil, il ne faut pas laisser le pot entier à ma portée. Je ne peux pas y résister. Plat détesté. Les fruits de mer sont nés dans l'obscurité absolue et vivent dans les profondeurs de l'océan. Pour moi, les manger reviendrait à avaler un nuage gris. Eh oui. Cadeau reçu, numéro 1. Que le monde n'oublie jamais cette délicieuse saveur. Merci. Numéro 2. Hé, j'apprécie ton intention, c'est délicieux. Numéro 3. Comment devrais-je le dire? Je suppose que tu ne donnerais pas de jus de légumes à un chiot, non? T'as fait du jus de légumes, voyageuse? Anniversaire. Je me disais que ton anniversaire se devait d'être aussi grandiose que le festival Sabzeruse. Oh, tu trouves que c'est trop? Mais tous les autres ont déjà fait les préparatifs. Allez, rien que pour cette fois, je ferai tout pour que tu en sois ravi. Affinité faible. Je deviens plus intelligente. Affinité moyenne. Mon esprit s'agrandit, c'est comme si je pouvais faire rentrer le ciel entier et l'océan à l'intérieur. C'est grand tout ça. Affinité élevée. J'ai l'impression d'être un Nilopalotus qui a retrouvé ses feuilles ou une perle de corail qui a regagné son coquillage. Affinité max. Merci de me permettre d'être à tes côtés et de m'enseigner tant de choses. En tant que divinité de la sagesse, je t'accorde ma bénédiction, que ton voyage se déroule sans difficulté. Et maintenant, les répliques d'attaque. Compétence élémentaire numéro 1, je retiens. Numéro 2, pousse. Numéro 3, ça va faire un peu mal. Numéro 4, hé! Numéro 5, on se tient la main? Non, plutôt, on se tient la main! Compétence élémentaire 6,
Je vois tout. Déchaînement élémentaire numéro 1. Faites comme chez vous. Numéro 2. Je vous partage mon savoir. Numéro 3. Le temple de la sagesse. Ouverture de coffre 1. La curiosité est une qualité. Numéro 2. C'est un cadeau de qui ? Numéro 3. Tu as eu ce que tu voulais ? PV faible 1. Changeons de stratégie. Numéro 2. Arrêtez de vous battre. PV 3, numéro 3 donc, ce n'était pas très sage. Compagnon avec PV faible. Je vais réfléchir à un moyen. Compagnon avec PV faible 2. Ne te force pas. KO 1. La vie n'est pas éternelle. Numéro 2. Je me fane. Non, je suis obligée de rigoler. Numéro 3. Je ne comprends pas. Attaque puissante subie 1. Aïe. Numéro 2. J'ai la tête qui tourne. Ajout dans l'équipe 1. Je t'ai attendu longtemps. Ajout dans l'équipe 2. Il reste tant de lieux à explorer. Et numéro 3, c'est l'heure de l'apprentissage. Et donc voilà qui conclut les répliques. Qu'en avez-vous pensé ? Donc, je vais me préparer pour l'invocation. Et donc, oui, je me suis installée dans la bibliothèque de Sumeru, parce que c'est l'endroit pour moi qui représente le mieux Aletheim. Donc, il n'y a que Naïda pour le moment dans l'équipe. On va voir ce qu'il va y avoir après. Alors, pour aujourd'hui... j'ai mes 213 pierres. J'ai réussi à les avoir hier, exactement. Par contre, pour la pitié, je ne suis pas à 13. Merci, Luma. Alors, je vais me prendre un cahier pour écrire. Hop. Bien. Alors. Du coup, je vais réactiver le son du jeu. Alors, j'ai donc 213 pierres et pour le moment j'étais à 1 de pitié et donc on va faire une invocation, on va faire 12 invocations pour être à 13 et donc on va commencer, c'est parti. Alors je montre juste avant, je vais vous montrer, j'étais à 1 de pitié et j'ai donc 213 pierres. Et donc, étant donné que j'aime bien commencer à 13 de pity, eh bien, c'est parti. Donc là, on va être à 11. Est-ce qu'il va y avoir un personnage ? Ah ! Super, c'est bien. Yaou, yaou. Bien, on est à 11, sans, ouais, à 11, et donc on va passer à 12. Y a rien, une épée, et à 13. Nous voilà à 13. Bien. Nous sommes maintenant à 13 de pity. Je commence. On va voir en combien de temps il va venir. Alors, on va aller au 23e piti. Ah, bien, c'est bien. Je l'avais pas au max encore.
Donc, ce cher Eizou. Et maintenant, on va vers le 33. J'aime bien. Et un autre Eizou, c'est bien. Alors, je vais me noter combien ils vont être les Eizou et les Yaou Yaou. Alors, pour moi, ça, on fait deux. Et on va aller au 43e vœu maintenant. Et toujours pas là, le BG. Ah bah tiens, bon, je l'avais déjà au max, elle. Alors, je vais quand même m'écrire qu'elle est apparue. Et donc maintenant, on va au 53e vœu. Et une Yao Yao. Et c'est parti pour le 63. Oh, c'est cool ça. Alors en règle générale, c'est après les a quand il y a quand on a une multi avec des armes, il y a assez souvent le personnage qui vient juste après. Enfin, je l'espère que je vais être fortunée. On va voir. On va voir si je gagne mon 50-50 d'ailleurs. Bon, eh bien c'est parti. On va au 63e et non, je n'ai pas réussi. Il va à tous les coups arriver au 78, comme à chaque fois. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours mes persos à peu près vers là. Et une Yao Yao. Bon, eh bien, on va aller vers le 83. C'est parti. Donc là, on est à 73 pour le moment. Et normalement, eh ouais, il est là. Alors s'il est encore, oh, si c'est encore 78, franchement, Mio, vous vous foutez de ma gueule. Donc 74, 75, 76, 77. Ah! Déjà! Eh bien, 78, une Déia. Je ne l'avais pas, je suis contente quand même. J'ai assez de façons pour continuer. Eh bien, on recommence du coup. Donc là, on va être à 1 de pitié. 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, ça fait 5. Donc là, on est à 5. Bon, ah bah, regardez le chiffre que nous avons en haut. 131, il y a un 13 dedans. Alors donc GG quand même si tu l'avais pas. Oui, tout à fait, je ne l'avais pas. Le chiffre 13, il est partout. Et 78 en plus, ça fait 13, c'est 6 fois... comment c'était Tao qui me l'avait dit. On fait 13 fois 6 et ça fait 78, je crois. Attends, que je vérifie.
Je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait calculé. 78 divisé par 13, oui, voilà. Donc 78, c'est un multiple de 13. Le 13, il est partout. Bon, eh bien, donc là, on est à 5 de pitié. C'est reparti pour un tour. Donc là, on va au 15e. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Et un isou. Et on va au 25 maintenant. Une yao yao. Et ça va être le 35e. Ah! Le voilà! Il s'est fait désirer. Alors, là c'était du coup 26, là c'est 27, 28, 29, 30, il est là au 30e. Voilà, il est là au 30. Merci Luma. Bah je suis contente, il est là. Et une Xiangling en plus. Mais bon, sur un ligne, tu étais déjà là, toi. Alors, chez Liani, 1, 11, 12, 13, 23, 33, 43, 53, 73, 78, DA, 5, 15, 25, 30, à l'étame. Ah, mince. Ouais. Tu as tout bien noté, chez Liani. Oui, tu as raison, il est arrivé au 30. Bien, donc voilà. Alors, j'avais compté de mon côté et j'ai oublié de supprimer. Ah, t'inquiète pas, c'est pas grave. En même temps, comme ça, j'ai pu vérifier si j'avais bien écrit. Moi, je suis pas du genre à recompter encore derrière après. Donc voilà, il est là. Alors, je vais le prendre, du coup. Le voilà, oui! La dernière fois, je t'avais laissé. Et cette fois, non! Alors, Luma, maintenant tu pourras lire son histoire, ses répliques, j'ai hâte. Ouais, si j'ai hâte de pouvoir tout débloquer. Et il y a aussi Delia. Alors, moi j'avais bien aimé la jouer quand il y avait les events, donc je suis plutôt contente de l'avoir eue. Ça me fera un personnage en moins. Maintenant, il reste juste Tignari, qu'il faudrait que je perde encore un 50-50 pour l'avoir. Voilà. Alors, du coup. On va maintenant aller. Alors normalement on aurait dû faire le quiz, mais il n'y a pas nos chers amis encore qui nous ont rejoints. Eh bien, ça vous va si on fait. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse le qui est-ce ou plutôt le quiz? Non, c'était là. J'arrive plus à réfléchir avec la chaleur. Donc voilà, le quiz. Est-ce que ça vous va si on fait le quiz? Même si on est que. Vous n'êtes que deux. Sauf si les autres arrivent. C'est à peu près l'heure en plus. Ah, mais attendez, j'allais oublier. Il y a le livre avant. Le livre, le roi des invocations, que j'ai complètement oublié. Bon, bah, faites comme si je n'avais rien dit. J'avais ça à lire. Alors, il est où déjà? Je crois que c'est pas dans les archives, c'est dans l'inventaire qu'il y est, celui-là. Voilà. J'allais oublier. Heureusement que je m'en suis souvenu. Bon, eh ben, je vais lire du coup le livre.
Et après, on verra s'il y a du monde qui vient nous rejoindre. Du coup, le roi des invocations. Un duel à travers une multitude de mondes prit fin. Le rituel suprême se déroula d'une manière inattendue, reflété dans de nombreux cieux. Désolé, mon ami. Toutes les histoires se terminent toujours de cette façon. L'autre duelliste descendit de l'escalier des rituels arcaniques avant de retirer son masque de crocodile et de révéler son visage vert aux traits similaires. Abu s'interrompit alors qu'il était sur le point de sortir les cartes de son coffret d'arcane. Exprime tes reproches, ta fureur, ton mépris, pensa celui qui venait d'ôter son masque. Mais le jeune homme prit les cartes de son coffret et les plaça sur la table. Il dit « Toutes les histoires devraient se terminer ainsi. Après tout, je meurs d'envie de t'affronter depuis longtemps. » « Monsieur Dubas, Abu va-t-il gagner ?» demanda l'un des marins. La brise marine empestait les fruits de mer séchés. Le personnage a l'air chevaleresque, assis parmi eux, n'était autre que Dubas, le seigneur des sept mers, qui avait revendiqué ce titre par le biais du rituel de duel. L'homme leva sa coupe à la lune froide, la lumière bleue dansant dessus. « S'il perd, je lui arracherai la tête comme promis. C'est dommage que le vin provenait d'une bouteille neuve ne soit pas aussi bon. » Regarde les dés qu'il vient de lancer. On dirait que la chance sourit plutôt à son adversaire. Vraiment, pourquoi n'a-t-il pas utilisé l'astuce que je lui ai enseignée? Mais aucune technique de triche ne passe inaperçue dans la chambre des duels. Il vaut mieux avoir quelques cartes qui permettent de convertir les dés dans son deck, dit la petite Kitsune en approchant avec un plateau de nourriture. C'est exactement pour cette raison qu'Abu n'a jamais voulu apprendre ce coup et aussi pourquoi tu travailles aujourd'hui, alors que tu étais la patronne du salon des collectionneurs. Cui, c'est la soupe de poisson de la table 17. Serre-la avant qu'elle ne refroidisse. C'est bon, j'ai compris, répondit la jeune fille en se levant de la table, sans quitter le ciel des yeux. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à le connecter. La fille aux cheveux de jais cacha son visage avec sa capuche. Des arcs électriques dansaient dans ses doigts. Cependant, les dés qui flottaient autour d'elle se brisèrent un par un avant de se disperser, comme s'il s'agissait d'un avertissement. La chambre des duels est un peu comme un autre royaume sacré. Tu persistes encore? Allez, ce n'est pas grave, le roi crocodile lui-même a échoué à s'échapper de cet endroit. Ce serait un miracle que tu y arrives. Nemui, je préfère miser sur ce garçon, même si ses chances de l'emporter sont minces. Commenta Ariatos, le roi des duels de chevaliers, qui ne se souciait guère du trépas de l'ami qui l'aida à reconstruire son pays. « Je ne peux pas m'en empêcher d'éprouver une pointe de jalousie. C'est tout de même le roi crocodile que tu affrontes à bout. L'histoire connaîtrait une fin heureuse si le jeune homme parvenait à retourner la situation. Les jeux étaient déjà faits au dernier tour. Le seigneur des duels, qui fut jadis emprisonné ici par le roi Ibis, en raison de sa soif de conflit et de sa tentative de détruire les murs entre les mondes, avait perdu la faveur de la bataille. Donné perdant, Abu finit malgré tout par triompher. Dis-moi ton souhait. Le roi crocodile essaya de dissimuler l'état déplorable de son enveloppe charnelle, à l'article de la mort. Abu releva la tête et vit le corps de son adversaire se décomposer en cendres. « Tu vivais de la guerre, mais tu as toujours été pacifique, » dit le jeune homme. Il baissa ensuite la tête. « Ce serait ennuyeux. Un monde sans toi serait sans intérêt. Pour moi, tu es... Tu ne comprends pas d'ailleurs. » Je me rends compte que je ne connais pas ton prénom. » Le roi crocodile, vit pour la première fois un sourire dangereux s'esquisser sur les lèvres du garçon. Ce jour-là, des spectateurs de plusieurs mondes entendirent son souhait.
que les murs volent en éclats et que la guerre entre les mondes commence. Je veux que des rivières de sang souillent la terre et que des montagnes d'os percent le ciel. Ainsi, le seigneur des duels connaîtra la gloire éternelle. Le roi des invocations, partie 1, fin. Ok, donc c'était en plusieurs parties ce bouquin. Oh, eh bien, qu'avez-vous pensé? Peut-être que vous l'aviez déjà lu de votre côté. Donc, je vais attendre vos avis et après on va décider si on va faire le quiz ou pas. Je pense qu'on va faire quand même le quiz, malgré que vous soyez que deux, ça sera un duel. Mais je préfère quand même avoir de savoir ce que vous en pensez. Mais pas à mort. Ah oui, un duel, mais pas à mort, en effet. Ce sera un duel, le positif ou le contre le négatif. Qui l'emportera? Alors, Luma, c'était spécial, je suis pas à partir du moment où ça parle d'invocation des sept. Je pense que c'est la création de l'invocation des sept, mais c'est vrai qu'il parle pas trop du match. Ça parle des rois, du roi crocodile, et l'autre je ne sais plus c'est quoi. Toi Luma, est-ce que ça te va si on fait le quiz alors? Malgré que vous soyez que deux? Non, c'est pas la récréation. Est-ce une histoire inventée à partir du jeu? Ah, c'est pas la création. Ok, je comprends. Ça donnait l'impression, en tout cas, pour moi. Alors, donc tu es d'accord pour le quiz aussi. Chez Liani, toi, ça te va aussi? Oui. Bon, eh bien, du coup, c'est parti. Alors, on commence par le quiz sur Genshin. D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. Image à deviner. J'ai pas changé l'image à deviner. Alors, juste un instant, parce que je dois changer l'image. Mince, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Alors. C'est bon, j'ai trouvé l'image et elle est de la bonne taille. Pas besoin de le. Alors, je dois m'absenter 30 secondes de toute façon. Ah, ok. Bah, tu me dis quand tu reviens alors. Je vais charger en attendant le quiz. Parce qu'il met pas de... il est pas immédiat le bougre.
D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait quelques soucis aujourd'hui sur le logiciel. En tout cas, le machin pour faire les quiz sur Twitch. Genshin Impact. Star Quiz. Voilà. Bon, voilà, c'est chargé. Eh bien, chez Liani, on t'attend. Et sinon, Luma, l'event, celui qui où il y a les boss, tu l'as fait? Tu l'as déjà commencé? Re chez Liani. Eh bien, c'est parti du coup. Je voulais trouver un sujet pour meubler, mais ça va. Tu es revenu avant. Allez, c'est parti. Première question. Devinette, née en mai, aime les toasts sucrés. Déteste le poulet. Qui est-ce? Vous avez donc le choix entre Eula, Sucrose, Gorou ou Fischl. Je répète la question. Devinette, née en mai, aime les toasts sucrés. Déteste le poulet. Vous aviez donc le choix entre Eula, Sucrose, Gorou ou Fischl. Et la réponse était Fischl. C'était elle qui aime les toasts sucrés et qui déteste le poulet. Pourquoi? Je pense que ça doit être en rapport avec Oz. Et on passe à la question 2. Parmi les choix, lequel n'est pas un surnom appartenant à Morax? Dieu de l'histoire, dieu des fourneaux, dieu des arts, dieu du combat? Vous avez donc le choix entre ces quatre-là. À votre avis, c'est lequel qui n'est pas un titre de Morax? Parce que Morax est connu pour avoir différents surnoms. Je répète donc la question parmi les choix. Lequel n'est pas un surnom appartenant à Morax? Vous aviez donc le choix entre dieu de l'histoire, dieu des fourneaux, dieu des arts, dieu du combat. Et la bonne réponse était dieu des arts. Parce que oui, je sais plus, je crois que c'était dans ses répliques ou dans son histoire. Et ça. Non, ça doit être les répliques, je pense. Mais je l'avais lu, je crois. Ah oui, je creuse dans le négatif. Ah! Donc, c'est que le dieu des arts qui l'a pas. Les trois autres, il l'a. C'est ses titres. Question 3. Dans quel pays les sept archons d'origine se réunissaient-ils? Vous avez donc le choix entre Mondostadt, Liwe, Inazuma ou Sumeru. Allez, une facile chez Liani, tu vas pouvoir revenir vers le positif. Je répète la question. Moins 45 000. Ah! Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, eh bien, la bonne réponse était à Liwei. Et donc, pour la prochaine, je vais faire apparaître l'image. Donc, voilà le paysage. Observez-le bien. Et maintenant, la prochaine question.
À quelle région correspond cette image? Vous avez donc le choix entre périphérie de la cité enfouie, donc c'est le monde Osdragon bien sûr, vallée ronfle dragon, ou route enneigée, ou encore, c'est pas Gatchin, c'est de Star Rail. Et maintenant, je retire l'image. Et ouais, t'as dit. C'est cadeau. Je répète donc la question, même s'il n'y a pas vraiment besoin. À quelle région correspond cette image? Vous aviez donc le choix entre périphérie de la cité enfouie, vallée ronfle dragon, route enneigée, ou c'est pas Genshin, c'est de Star Rail. Et la bonne réponse était bien sûr, c'est pas Genshin, c'est de Star Rail. Eh oui! Alors c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu l'image. Je sais pas, à un moment donné j'étais en train de réfléchir à quelle image je pourrais mettre cette semaine et je me suis dit tiens, si je mettais du Star Rail et que tout le monde se dise mais c'est pas Genshin, c'est du Star Rail. Donc voilà, c'était cadeau. Alors maintenant la dernière question. Laquelle des actions n'enclenche pas de succès? Toucher un ennemi après une attaque plongeante d'au moins 5 mètres. Le M est parti. Coucou Jide, c'est la dernière question du quiz de Genshin. Ou sinon, rater une recette, ou éliminer 10 fois 4 ennemis en 2 secondes grâce à surcharge, ou encore attraper 5 poissons nocturnes en pêchant. Alors, quelle est la bonne réponse? Comment ça va, Jide? Et donc, la bonne réponse était attraper 5 poissons nocturnes en pêchant. Il n'existe tout simplement pas de... Si, il faut en attraper qu'un seul, en fait. Sheliani, retour en négatif pour toi. Ah, mince. Eh bien oui, parce que c'est un succès, éliminer 10 fois 4 ennemis en 2 secondes grâce à surcharge. Alors, G, ça va? Et comment se passe le quiz? Eh bien, tu vas le savoir tout de suite. Nous avons du négatif. Voilà, voilà. Donc, Luma GG, 40 000 points. Et Sheliani, moins 12 000. Et maintenant, nous allons donc passer au quiz de culture générale improbable. Et donc, ça va débuter. Alors, préparez-vous, mettez votre cerveau de côté, parce qu'il va y avoir des trucs absurdes, mais vrais. C'est parti. Première question. Quel est le plus long trajet au monde qu'il est possible de faire en train? Vous avez donc le choix entre 3700 km, 8900 km, 17000 km ou 23300 km. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Je répète la question, quel est le plus long trajet au monde qu'il est possible de faire en train? Vous avez donc le choix entre 3700 km, 8900 km, 17000 km ou encore 23300 km. Et donc, la bonne réponse, qui est toujours en cours de chargement, non, c'est bon, c'est parti. La bonne réponse était 17000 km. Et donc, pour la petite histoire. Le plus long trajet au monde qu'il est possible de faire en train parcourt plus de 17000 km. Du Vietnam jusqu'au Portugal. Donc voilà, si vous voulez faire le plus long voyage en train, eh bien c'est celui-là qu'il faut faire. Vietnam vers Portugal. Et maintenant, on part
sur la question numéro 2. Alors, Shenyani, je suis pas la seule à m'être trompée. Eh oui, celle-là, elle était dure. Maintenant, la prochaine question. On parle d'animaux, cette fois. Vrai ou faux, les humains ne sont pas la proie naturelle des requins blancs. Vous avez donc le choix entre vrai et faux. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est vrai? Donc, je répète la question. Vrai ou faux? Les humains ne sont pas la proie naturelle des requins blancs. Alors, Jid, les dents de la mer m'auraient menti? Eh ben, tu vas voir. Et donc, la bonne réponse, c'était vrai. En effet, les humains ne sont pas la proie naturelle des requins blancs, car leur digestion est trop lente pour pouvoir supporter autant de muscles, d'os et de gras. Je veux dire de graisse, mais bon, ça aurait marché quand même. Alors maintenant, la question 3, elle va porter sur l'art et les artistes. Alors, Luma, les requins ne s'en prennent pas aux hommes en temps normal. Par contre, ils peuvent confondre un surfeur avec une tortue en détresse et donc l'attaquer. Ah, merci pour l'info. Je crois que je l'avais lu en plus, ce truc. Une fois aux infos, je l'ai lu, je m'en rappelle. Mais je me souviens plus quand. Et donc, on va passer à la question 3. À quoi correspond la xylographie? Vous avez donc le choix entre la phobie du bois, l'art de graver du bois, graver des pierres ou créer des cartes. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Qui correspond à xylographie? Et donc, la bonne réponse était l'art de graver du bois. En plus, j'ai donné un indice. Au début, j'ai dit que ça allait être une question sur l'art. Et donc, la xylographie est un art qui consiste à graver du bois. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Alors, le prochain sujet. Cette fois, je ne donnerai pas d'indice. C'est parti. Question 4. À Londres, quelle est la particularité de certaines toilettes publiques? Vous avez donc le choix entre elles sont lavantes, elles n'ont pas de particularité, elles sont faites de vitrage sans teint, elles sont écologiques. Chez Dani, je me suis absolument pas basée sur les xylophones pour répondre. Bien sûr, pas du tout. Alors, je répète la question. À Londres, quelle est la particularité de certaines toilettes publiques? La bonne réponse était... Elles sont faites de vitrage sans teint. Alors, à Londres, il y a des toilettes publiques faites de verre sur la surface intérieure uniquement, de manière à ce que l'on puisse regarder les passants sans qu'ils nous voient. Et donc, ce sont des vitrages sans teint. Voilà. C'est quand même particulier comme toilette. Est-ce que vous arriveriez à faire ce que vous avez à faire au cabinet en regardant les passants qui passent? Ouais. Eh oui. Moi non aussi. Alors Chéri, de l'autre côté, c'est un miroir. Oui. Et donc voilà, les passants ne peuvent pas vous voir, mais vous les voyez. Est-ce que vous arriveriez? Bien sûr que non. Il faut vraiment avoir des problèmes.
Alors, maintenant, la prochaine question. Alors, non, mais par contre, je me planquerai là. Ah, Ouais. et donc, eh bien, c'est déjà la dernière question. Quel GPS a été créé en s'inspirant du magicien d'Oz? Ah oui, pour observer les gens. Oui, ça, ce serait bien. Alors, vous aviez donc le choix entre un chapeau, un sac, des lunettes ou des chaussures. Et je répète la question. Quel GPS a été créé en s'inspirant du magicien d'Oz? Un chapeau, un sac, des lunettes, des chaussures? À votre avis, alors chez Liani, je l'avais lu dans un magazine en plus. Ah, donc tu as déjà la réponse. C'est quand même original hein, comme GPS. Et donc la bonne réponse, c'était des chaussures. Alors pour la petite histoire, il existe des chaussures inspirées du magicien d'Oz qui vous ramènent à votre domicile grâce à un système GPS si vous clipsez les talons. Note, l'auteur du roman a eu l'idée du nom Oz en regardant un dossier d'archives où étaient inscrites les lettres OZ. Voilà pour la petite anecdote. Et donc, la personne qui est en tête, donc moi, on ne va pas faire trop attention. Sheliani, tu es revenu en positif de beaucoup. 72 000 points, suivi de Luma avec 33 000 et Jid avec moins 16 000. Eh bien, GG. Alors maintenant, pour le choix des mini-jeux. Alors, j'ai besoin de savoir. D'abord, je vais vous mettre un sondage. Alors, il n'y a pas de moins à mon score. C'est un bug. Oui, tout à fait, c'est un bug. J'ai mal vu. J'ai mal lu. Alors, je vais vous mettre un petit sondage. Le choix 1, c'est pour les mini-jeux que j'avais créés la semaine dernière. Le choix 2, c'est les jeux habituels. Ou bien le donjon des events en choix 3. Je fais pareil que la semaine dernière, je vous laisse choisir d'abord déjà comme ça. Donc vous voulez commencer par les donjons. Ok. Luma, on dirait qu'on va pas pouvoir encore faire de qui est-ce. Sheliani, je veux que Ryu souffre. Ah, Luma, vraiment encore les donjons. Ouais, malheureusement. Est-ce que tu veux me rejoindre alors? Si jamais c'est des donjons en duo encore, ça irait. Bon, eh bien, je clos alors le vote. Vous l'avez décidé. Ce sera donc les donjons, option 3. Et bien voilà. Alors, on va. Hop, je remets le son du jeu. Magnifique. Alors. Alors après, il n'y a personne habituel pour faire les mini-jeux, donc bon. Oui, il n'y a pas les personnes habituelles qui sont ici. Elles ne sont pas là. Alors, du coup, je vais aller ici, donjon personnalisé. Alors, je vous écoute. Jid, est-ce que tu veux que je fasse un de tes donjons ou chez Liani, est-ce que tu en as un? Ah, cadeau! Eh ben voilà. Bon, eh ben je vais commencer par le donjon de Jid. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Obtenez 220 points d'artificier. Terminez en moins de 10 minutes. Méthode d'obtention de points d'argent. Collectez les jetons d'aventure. Éliminez les ennemis. Ok. Combat, obstacle, difficulté élevée. Ah! Mince. Alors voyons un peu comment ça va être. Ok. Ah là là, on va souffrir. À la fois, hein, peut être vaincu. 1. Ok. Ah oui, il est tout récent, hein. Il a 10 jours ce donjon. Alors j'ai un souffre incoming. Souffrance incoming. Ah oui, souffrance.
Alors, oh, je crois que je l'ai fait celui-là, mais je crois que j'ai pas réussi. Ah! Eh bien, on va voir. Je n'ai que 10 minutes. Luma, je vais farm sur Starrel, moi. J'en peux plus de ces donjons. Merci de ton soutien, Luma. Et bon farm. Oh, c'est quoi ces choses-là? Oh là là. Allez. Ouf. Ah, j'ai eu chaud. Ah là 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 là. Yes. Hop. Allez. Le prochain. Ah non! Non! Oh là là! Keia, pas toi! Ne meurs pas! Oui! Hop! Voilà, bon. Alors, Shenani, Ryu, j'essaye en même temps que toi. Oh, merci! Nous allons voir qui sera la plus rapide! Alors, Luma, je l'ai déjà testé celui-là et j'ai décidé de ne plus jamais que je ferai des donjons à un où il y a des combats. Ah! D'accord. Ça ne présage rien de bon. Ah, ici je le sens très mal. Je vais avoir le droit à des mobs. Obligé. Ou pas. Ok. Mais c'est quoi tout ça? Ah là là. Oh là là, je vois des choses là-bas. Oh, cool! Là là, non, pas toi! J'ai besoin de toi. Oh là là. Ah! Aïe, Barbara, ça sera mieux. Oh, elle va mourir. Ouf. Oh non, elle est morte. Voilà. Elle est partie. Oh non, mais c'est quoi cet endroit? C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Bon, on va guérir un peu Keia. Oh là 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 là. Oh là là. Malheur. Off, c'est bon. Ouf. Alors Lima, tu pourrais pas finir si tu manques un perso, je pense. Ah mince.
Bon bah, oh. Oh, de retour à l'enfer. Oh là là, et encore un coup, des bulles, youpi! Mais Jid, c'est l'enfer son ton donjon là. Est-ce que je vais dans le bon côté d'ailleurs? Non, je vais dans le sens inverse. Merveilleux. Bon, ben on va perdre Kaya aussi. Voilà, il est mort. Oh, maintenant ce sera Lisa. Alors, tiens, pourquoi je voulais pas que tu fasses de donjon? Oui, je souffre. Oh là là, on va perdre Lisa! Oui, elle va mourir. C'est fait. Bon, bah maintenant, il n'y a plus que Barbara! Barbara, je crois en toi. Ah, oh. Je suis parlé trop vite! Là, deux bulles! Alors, Jid, si vraiment c'est trop dur, tu fais celui-ci. Il est mieux à deux mains, il est faisable. Ah. Oh non, pas encore toi. Ouf, c'est bon. Je vais réussir. J'y crois. Oh non, j'ai pas été assez rapide. Encore un après Ryu, tu n'y arriveras pas uniquement avec Barbara. Ah, mais je veux croire en ma Barbara. Elle est pas douée du tout. Avec un coup de chance, peut-être que je vais réussir à y arriver avant la fin du délai. Ou pas. Bon, je vais attendre. Voilà. Oui! J'ai réussi à atteindre l'autre côté. Ouais. Tout à l'heure, c'était un coup de chance. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à atteindre le prochain palier? Oui, oui, non. Eh ben voilà, je suis perdue encore. Bon, bah, ce dojo ne m'aime pas du tout. Ouais, hop. Non, je vais attendre que ça disparaisse. Ah mince. Bon, eh ben j'abandonne. Bon bah Jid, c'est trop difficile. Donc je vais essayer l'autre que tu as proposé. Alors, il n'y aura pas de combat dans celui-là. Ok. Je l'espère.
Ah, d'accord, donc je vais morfler encore. Ah oui, on n'a que 3 points de vie. Ok, et il n'y a pas de healer. Merveilleux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends, est-ce qu'il y a un truc là-haut? Ah oui, là, ok, d'accord, j'ai compris. Là là! Je suis censée faire quoi ici? Est-ce qu'on peut viser les... d'ici? Non. Bon, 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 bon. Ah, d'accord, ça s'est ouvert. J'avais pas remarqué. Ah. Ah oui. Et elle a perdu déjà un truc. Il y en a un dernier. Je ne sais pas. Ah, il y a ça qui est apparu. Ok. Ouh là là. Ah ouais, ça part vite, hein, les cœurs. Alors, faudrait pas que je crève maintenant. Il n'y a rien ici. Ouais, ok. Mais ah oui! Oh, je suis con, j'ai oublié qu'il fallait. Voilà, là c'est mieux. Là là, non. L'autre côté aussi, ça s'est ouvert. Yes. Bon, ben on va passer par là d'abord. Alors ici, il n'y a... Ah oui, il y a un truc là-bas. Là, je suis stressée. Il y a un truc là-bas, je le sens. Et je vais mourir. Ah bah voilà. Ah super, elle se réanime, c'est bien. Ah mais attends, je peux retourner là-bas. Cool. Ah, attends, faut que je vais ici.
Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté ici? Non. Ah mince! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, je ne pense pas que tu... Oh, ouais, je n'ai pas eu le temps. Ok. Bon bah qui veut m'aider? Merci Sheliani pour ton aide. Eh bien, je vais attendre un petit peu et je vais lancer du coup le donjon. T'inquiète pas Luma, je ne vais pas te demander alors. Alors, hop. Alors. Eh bien, chez Liani, je te laisse choisir en première et je prendrai ce qui reste. Ok, alors je vais prendre Lisa. Et Yaimiya. Alors, je pense pas qu'il reste des trucs à faire de l'autre côté. Lève les yeux. Ah! Ah oui! D'accord. Merci, Jid. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici encore à faire? Ah oui, je l'ai vu. Oh. Mince. Il s'est passé quoi? On avait pas 2 minutes 30? Ah, d'accord. Ah, Sheliani a mouru. Ok. Sheliani, tu veux recommencer une dernière fois? Bien, c'est parti. Ah, t'avais déjà quitté. Alors, je vais le relancer. Allez.
Ah non, c'est pas là. Ici. Bon bah je te laisse choisir les persos chez Liani. Ok, alors je prends... non. Ah, je me suis trompée. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Oh, il y a un orage. Tiens, il était déjà activé. Oups. Mon cœur. Oh là là, il y a des bulles. Non, pas les bulles. L'enfer sur terre, il est là. C'est des petites bulles qui vous noient. Chez Liani, elle est où? Ah, c'est bon. Ah. Oula, je vais perdre un cœur. Oh non, ah bah voilà, c'est moi cette fois qui ai perdu. moi et les bulles, c'est pas. Pas très bon, hein. Chez Yanni, tu veux recommencer encore une autre fois? Ah, tu dois les manger. Bon, bah, tant pis. T'inquiète pas. Ah, c'est bien, on a deux à les time. Bon, et eh bien, bon appétit chez Yanni. Alors, Jid, est-ce que tu as d'autres donjons? Sinon, on va faire un qui-est. Oui, sûr. Eh bien, c'est parti alors. Alors, je vais pas le faire avec toi si tu veux. Je me souviens plus de la fin. Ah, tu veux le faire? Oh, c'est comme tu veux. Ben, on réessaye alors celui que j'étais en train de faire alors. Faut juste que je retrouve. Voilà, c'est bon.
Eh bien, je t'en prie, tu peux venir dans mon monde. Et c'est parti. Hop. Bien, Luma, je te laisse choisir les personnages que tu veux. Alors, je prends du coup Lisa et Amber. Donc, on était à la fin, Jade. Ok. Bon, je vais faire très attention cette fois. Et c'est là que je vais perdre un cœur. Je me connais bien. Allez. Ah, j'arrivais tout à l'heure. C'est bon. Oui, c'est allumé. Cool. Luma, est-ce que tu as avancé ou t'es bloqué là-bas? Alors elle est devant rue. Ah ok. D'accord. Oh, les bulles que j'aime. J'avais réussi à... Ok, donc là, plein de pièces. Ah oui, ok. Bah c'est bien, on a réussi. C'est vrai que c'est plus simple quand on est à deux. Merci, Jade. Eh bien, merci, Luma. La troisième fut la bonne. Alors... Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on fasse une dernière activité ou on se dit au revoir maintenant? Essaye le dernier donjon. Ah oui, celui que t'avais mis. Allez, on y va. De toute façon, on va faire que ça, je sens. Alors, hop, 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 hop. C'est reparti pour un tour. Ah, Yelan!
Alors après, la 1 va disparaître, profite. Oui. D'ailleurs, j'ai même pas encore fini le donjon que je voulais proposer. Eh bien, c'est parti. Et je crois me rappeler ce donjon, d'ailleurs. Ah oui, je m'en souviens. J'avais pas réussi à le terminer. Ah, j'ai pas encore assez. J'avais pas assez de temps. Je suis trop lente. Alors, combien j'ai d'argent maintenant? Toujours pas assez. Ah, mince. Aha. Ah oui, il y avait ces machins à exploser. Et il y en a encore un dernier. Bon, c'est parti. Allez. Allez. Oui. Alors après ça, il faut aller là-haut. Mince. Comment je fais pour monter? Ah! Misère. Ton équipe. Ah oui, c'est vrai, je l'ai complètement oubliée. C'est vrai qu'elle peut aller jusqu'à là-bas, elle. Ah là là. Allez, c'est reparti. Ta-da-pa-pa-da. Ah bah c'est bien, j'ai pas perdu beaucoup de points de vie. Alors, hop. Où est-ce que je vais là? Ah oui, c'est là-bas. Mince. Non, elle est tombée. Ah, génial. Coucou Tao. Fais encore le donjon. Je rate rien. Eh ouais.
J'en ai fait même plusieurs des donjons. Oh là là, elle s'en est pris deux d'un coup. Youpi. Oh là là. Mais... Non! Survie! Ouf. Là là. Ah, oh, encore? Bah oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Encore un autre. Là, va falloir l'économiser celle-là. Alors, ensuite. Ah mince, j'ai mal visé. Alors, Ryu, tu as encore beaucoup d'épreuves qui t'attendent. Ah mince. Là là. J'y suis pas arrivée à temps. Déjà que les autres fois, c'était un coup de chance si j'avais réussi. Ouf. Ah là. Oh, tiens, tiens. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout en haut, Ryu. Oui, je sais, je viens de m'en rappeler. Oh non, non! Oh là là, elle va vraiment mourir, hein, cette Kitching. Bon, je vais prendre Yelan, voilà. Oups. Allez, c'est parti. Bon. Ouf. Ah, là j'aurais aimé un truc pour me guérir. Elles ont toutes les deux la vie très bas.
Eh oui. On n'a pas fait les autres mini-jeux. Pas de qui est-ce cette semaine. Oh là là, il m'a foncé dessus. Allez. Oh là là, il y avait lui aussi. Elle va mourir. Et voilà, une morte. Une en moins. Oh bah. Bon bah Yelan, c'est toujours toi à la fin qui reste. Oh là là. Ah bah voilà, elle est morte, c'est perdu, oui je sais. Tu sais, moi j'essaye jusqu'à la fin. Donc voilà, elle est morte. Il me restait du temps. Mais je ne sais pas si c'était assez pour faire la suite. Bon, là il est 18h56, je pense qu'on va s'arrêter là. Je connais la suite, je vais réessayer, je vais reperdre à nouveau. Bon, j'ai réussi, on a pu au moins en finir un. Alors, Jid, je doserai mieux la difficulté à l'avenir. Ok. Mets des trucs pour guérir, peut-être. Ça serait mieux. Quand on gagne un coffre, par exemple. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Jamais? Mais si! Mets des machins pour guérir! Aide-nous! Alors, Tao, Jid, mais toi, le TCG contre Ryu, c'était un massacre par semaine. Mais. Jid, il aime bien me massacrer. Soit c'est les cartes, soit c'est les donjons.
Le soin, c'est pour les faibles. Ah bah, moi, je suis pour le soin. Bon, eh bien, on va partir sur la fin du live. Et donc voilà, il va être bientôt 19h. C'est la fête des pères cette semaine. C'est aujourd'hui même qu'il faut dire bonne fête à vos papas. Moi, je l'ai déjà fait deux fois. Je lui ai dit la première fois à minuit passé. Tao, sinon, ça s'est bien passé les invocations? Oui, ça s'est très bien passé même. J'ai réussi à avoir des liens en perdant mon 50-50. Alors, je dis merci d'avoir testé mes donjons. Je ne t'embête plus avec. T'inquiète pas, tu pourras m'embêter encore au prochain event. Ouais, Delia, j'ai réussi à la voir. Bah, j'en parlerai après sur le post que je mettrai mercredi. Bon, eh bien, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et à la semaine prochaine, et ou bien à plus tard dans l'antre sur Discord. Et hydratation! Surtout parce que, ouais, il fait très chaud. Moi d'ailleurs, je vais aller boire de l'eau. Allez, bon dimanche tout le monde, bye bye!